Voilà, chers amis internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Short News avec Eki Bumba, votre humble serviteur, et accompagné avec Brad Bumba, qui est aussi dans la chaîne Pisson Premier TV. Oyo Toyambi, Basali Anzambe, je crois que binomoko bo bengaki, bo lobaki, bo komaki pe ebele, pour na koye ba santé ya prophète Jonathan, bo ebi ete prophète Jonathan, aoutaï ko le kana maladi, vraiment, nous avons tout mis à qui et belé bon tout côté on a makambo est ce que y est makambango ya covid bon prophète Jonathan yeyo tu quand même chance to opportunité ya kozalana ye ensemble na pasteur révérend Rick Mans oyo a accompagné ye parce que prophète Jonathan aza toujours Nathan ya convalescence. Brad, na ebite soki mo lelo ba muke na ba balandi na bino bongo to introduire ba invité na biso. Oui, merci beaucoup Cordon Eki, Cordon en a toujours à Libella et puis merci na ba tenir sur balandi na biso na Psom Premier TV et puis au tout ça na kata IHP Media. Donc je dis merci na ba tenir sur balandi na biso et puis c'est une très belle émission. Vous ne serez jamais déçus. Voilà. Voilà, merci beaucoup prophète Jonathan Mbote Nayo. Oui, Mbote. Boni siko santé, boni ma camionne sur les cas indéni. Bon, cola joie le coup, cola dans la santé, la caniche au tico le vélo comme quoi moto a été toujours continué en convalescence. Oui. Ça c'est vrai. Mion son cola les cas qui n'a qu'au sunga et les cas qui malam ou attaque aux alaki accompagné dans moi bitumba et belé, casina mawananzambe. Nkola leki na ko sunga ite to longwa ne sikawana tozalaki to zonga na ndako po tokoba na ba eventuel traitement na temps ou ya convalescence sinon to pesi nzambe merci pe na ko profite toujours na motuna na yowana po na ko pesa pe ba aronyoso na ba urnyoso merci peut-être ko tuna ngai nini na lingena limbo la parla ngai na komi me na tuna pona balani ko la pambola yo ko la komi bien avant na kanisi a chaque fois que Moïse azala ki na ngomba pona ko bonde la pona intérêt à peuple d'Israël azali moto azala ki na makila na miku aneti yo na ngai il pouvait se fatiguer. Amen. Mais na ko senga ona no bolimbi si vous allez vraiment m'excuser pourquoi parce que na ko préféré quand même na interview à l'élo na j'allais un peu bilingue. OK. Parce que kolanda na mituna pe o peut-être na koki koloba et j'en a makambo et je préférerais les transmettre en français. Pour na joie qui pe quand même moi motuna na ko uta na bandeko et ba zala qui pe ko s'intéresser na ba message to za ko transmettre. Alors baloba qui en tout cas pour faire choko koki ko sunga biso pe quand même na le poto pour tous ce soleil ko sala malam donc na condamné bangote. Donc c'est dans ce sens que je disais que je remerciais Urna et Aaron, parce que Moïse en tant qu'humain pouvait s'affaiblir. Donc Aaron était là et Ur pour aller kanako soutenir. Donc l'un la main droite était la main, l'autre la main gauche et tika la côté la main. Parce que ce qui a l'embié que Maboko ane kita qui c'est Israël qui perdait la bataille. Donc raison pour laquelle nga na pesi Aaron yo son merci, na pesi pe Ur yo son merci. Quand je parle de ces gens là, vous savez pendant ce temps où nous étions à l'hôpital. Je remercie le Seigneur parce que il y a de ceux qui prient en notre faveur. Voilà pourquoi le plus grand cadeau c'est de nous soutenir d'abord dans la prière. Et j'en ai vraiment même que ça là-bas jeûne et prière juste en notre faveur. Nous avons vraiment les canaux à l'okum. Nakanisi binope vous allez parmi Baharon. Pasteur Rick Mons, maman Gertrude, oh, ils ont sauté suite à un petit empêchement, ils ont été parmi Ur na Baron, vraiment ils ont été malgré convalescence, car si Nandimi correspondre à appel nayo, pour na komisa quand même moi message moko ya mukou c'est parce que le Saint Esprit est en train de me pousser, de me pousser. Il y a koso solaite, l'heure est grave et surtout dans la montre du Seigneur. Et réseau qu'un de tel mambango, yango na lobby. J'assure même Nakota, l'ango moni qui est navandi, mais naza un peu à côté ngama parce que la blessure là, là on m'a opéré, ils ont dérangé donc je ne peux pas être en bonne position, même là aussi en bas. Mais je me suis dit, en tout cas, il y a un jambe, il faut éléka. Nkolo apambola pour na moto na wana.
Voilà, merci beaucoup, chers amis internautes. En tout cas, pour tenir biso rigueur, tebo mon prophète azo vanda malamu tebo loba mutu na pas si bozo zoyer quand même to kokaki ko ko tika bongote ne fils que moi liloba ya muke et puis pour na bino pe bozala na assurance que azali un peu bien portant, donc azali bien portant bien que nanu ba douleur ni so et silité convenablement. Révérend Rick Mas, boni santé, boni musala nzambe. Merci papa Eki. Santé ezali malam nangobi nzambe. Et puis musala nzambe. Et ceux qui ont des mouké, la grâce ouana, malgré période où il y a confinement, mais donc la porte, il y a l'église et Kangami, mais mino konabiso, mpona koye bisa nzambe, eza o kangate. Amen. Donc nzambe, aza koja loko mouna kati, tozo sala nyo satan anda, là où nous sommes, donc tozo sala pour la gloire nzambe. Voilà. Merci beaucoup. Wana soki to ngito kota na mituna na biso, en tout cas to kozanga te kobondela elongo na basali ya Nzambe po bino ba ebozali kolanda émission pe biso ba etozali na kati ya plateau to landa to sala émission na lisungi ya Molimo Mosantu. Pasteur Rick Mans soki okokamba biso na libondeli po ete to kota na mituna na biso. Merci. Na tanisi bo mo mesano na biso mingi. Donc quand on y est bâti à moitié ni nanzembo bon on a séparé était avant tout bon de là toi y est bâti couplé moko y a le yembo wan là toi y est bâti angou mingi bandé couplé dans la carte bisonde toi y est bâti tout cigana au prophète qui merci. Tobele minayo mosantu na Lola, tobele minayo kos na libota na Yuda, tobele minayo El Shaddai, tobele minayo El Tabaota, tobele minayo mokokisi na Bilaka, parce que nkolo émission oyo yonde e okokisi yango ete esalema sans intervention na yo nzambe na nguya tolinga kite kokuta na kati na oyesika. Bongo wana biso to yepona sango oyo ezali pona lokumu na yo to yepote to sepelisa moto to yete so ko somba to koteka meto yepona ko pesa sango oyo ezali wuta na yo nzambe mpote kombo na yo esanjolama to rekomande yango na maboko na yo nzambe ba oyo ba kolanda biso bazala beni Molimo Mosantu a sosolisa. Molimo Mosantu a pesa mayele, pe sagesse et discernement, Seigneur de gloire, afin que Mokona Biso a zwa par na yena kati na émission Oyo. Bongo, talaba journaliste, talabiso prophète, talangai pasteur, Nzambe banso to mitiki na maboko na yote Molimo na Nzambe, ye akamba biso du début jusqu'à la fin. Tobondeli bongo na kombo na Yesu Masi ya Tolobi. Amen. Voilà, merci beaucoup to Koti Penza na mituna na biso et accompagné na Molimo Mosantu na bino baye bozali kolanda biso totala émission lokola mabokete lokola concert te kasi totala yango penza na bososoli pe to senga Molimo Mosantu e kamba biso po ete maso makoloba makati na oyesika ezala pona kotonga bomoi na biso pe pona ba restauration na biso prophète Jonathan bato batuni mingi balobi prophète boni sikoyo ata mwa liloba muke na bato wana koluka ko assurer bango présence na yo pe santé na yo sikoyo nino koyi koyebisa ba enyo surtout bande kwebele ba mama titi ba, donc moi to tanga ba kombo ezate. Merci nakolo ba boy papa oyebi tango moto azako yo kanzoto kotungisa ye
ata beteline de quoi ça penenaye li solo akoyoka mais ako comprendre pas si amoto anate. C'est pour dire que ce n'est que la personne qui souffre qui peut comprendre la douleur qui la dérange. Nakanisi kotungi sama ezala qui par ma volonté te ezala qui na bosenga na ngai te pour mon salo toza ko sala et tomber ali makasi ezali makasi kasi to côté le manangela te total et tumba wana pour na kati na elanga na nzambe na musala na nzambe. Je l'ai toujours dit, chacun de nous se sacrifie de sa façon. Et moi également, je me sacrifie de ma façon. Nakanisi, peu importe la période de la convalescence, mais j'ai répondu oui à votre appel. Amen. Et si je le fais ainsi, et j'allais pona le koumou nanzambe, mais ce n'est pas pona ngaï. Je ne suis qu'un simple vermisseau. Alors, nakoko kako vanda longtemps te, pendant que li bota na bana nanzambe, la plupart bazo kene na perdition. Parce que na banga ka toujours elo komoko. Je ne m'irai pas qu'au jour dernier ou au jour de la fin que le Seigneur puisse m'interroger. Qu'as-tu fait de la mission que je t'avais confiée? Pour Nzambe, oui, aebi kenzo te koki kolemba, aebi kenzo te koki kotungisama. Mais na koki ko profiter na kolemba to na kotungisama wana te pona vanda petango moko molai no. Au moins dans certaines choses, il faut faire les premiers pas Nzambe ko songona oyali yami balie. Na kanisi ete bandeko ba mitungisama ki de notre absence pendant un temps. Na uti ko justifier yango awa. En tout cas, bazala na kimia. Nous sommes là. Déjà, ce premier pas de répondre à votre appel pour progresser dans cette œuvre, c'est déjà un témoignage et le Seigneur nous aidera à un second, troisième et énième pas. Vraiment, Nzambe a pambola pona mutuna wana. Voilà, merci Malobe Panayo, Brad Bumba. Merci beaucoup, le cordon Eki Bumba. Merci beaucoup, le prophète Jonathan. En tout cas, nous avons été un appel qui était à Santé Nayo. Vraiment, merci beaucoup. Mais mutuna nga mingi, mutuna nga vraiment mingi za. Dans la nouvelle mission, nous avons été nous avons été à l'hôpital. Et puis, le commentaire est à propos du message de Bimisaki, que beaucoup de gens ont été à alors, nous avons été à Simokimba, le message est à qui, le commentaire est à qui. Nous avons été à la relation. Et puis, entre la mort et la vivant, la relation est à la réalité. Alors, c'était dû à quoi? Au côté de Simon Kimbang et puis au Fukama. On est au Fukama les mots, au Yakufa. Et puis Simon Kimbang au Yomona Kiza, au Yaliputa, bakangila biso photo to mona, to eza Simon Kimbang au Kiangani, au Tsikala na Kamba. Merci Nicolas Pambola au Mingi na Motuna wana, na sepeli makasi. Mais eza na information mon copé à Motuyo oti copé sangai na Motuna na yo, kotuna ete est-ce que zali Simon Kimbang au Yaliputa? Simo Kimbango, ou Yatikala Nankamba, là je ne sais pas me retrouver parce que même Bible l'obi était il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Dieu auteur du ciel et de la terre. Bon, na zwinda ki sawa na pona zonga na motuna na yot pour na ebite qui est ce Simo Kimbango ya Liputa, qui est ce Simo Kimbango ya Nkamba, ça moi je ne sais pas, mais elokonga na ebi ce n'est qu'une et une seule personne. Parce que, comme on a tata oyo yo, comme on a samaliboso nangai, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Na kanisi olobi et olandi ba émission, mingi on a leki na ko intervenir. En tout cas, papa oyo a leki na komi moni samaliboso nangai plusieurs fois. Mais, koloba ya liputa, to yankamba, soki bango moko bandeko wana, pona bango ba moni ete basimo kimbangu bazala kami bale, na kanisi wane zali responsabilité na bango. Pongai na ebi basimo kimbangu mi balete. Naibi kaka moko wana le vrai envoyé de Dieu. O Nzambe atindaka pe asalibi kamwa mingi. Ayaki pa kokisa ki mosala na Nzambe ndenge Nzambe alekaki nako na kotinda ye. Na lingina fungola parenthèse moko. Kolanda motuna na yo, je comprends parce que vous avez évoqué un point relatif aux critiques, donc aux commentaires des gens. Et je pense que toujours dans cet angle des commentaires, il y a des ceux qui peuvent peut-être aussi critiquer. Bon, na wana na koloba boy. Papa. Oyebi, parmi ceux qui peuvent peut-être critiquer ce Simon Kimbango, naebi te ceux qui déjà va surmonter ba épreuve Simon Kimbango na le kanako comme on a dit son vivant. Parce que il a souffert d'une manière où je ne pense même pas moko kati na biso ba sel na nzambe de cette génération. Donc comme même ne fils katana un tiers ou 0,1 tiers, il y a souffrance au tata wana mona. Donc en tout cas quand vous dites qu'il n'y a pas
de lien entre les morts et les vivants. Et singeli koluka koye bana contexte ni ne Christ azala ki koloba yango. Parce que tikana personne qui c'est la transfiguration. Tant que Christ a mataki na ngomba avec baye kolipona kobondela. N'est-ce pas que l'un de ses disciples tango amona ki emoni seliwana, amoni Pierre, c'était amona ki Élie, amoni Abraham. C'était ça, pasteur. Il y avait Élie, Moïse. Mais n'est-ce pas qu'il y a qui vers Christ une tente pour Élie, une tente pour Moïse et j'en passe. Bon, est-ce que nga peso ke singel na zonga na motuna na yo Élie akufaka déjà te? Moïse akufa déjà te? Mais il faut que les gens cherchent beaucoup plus na mituna na bango. Bas à la vraiment rempli du Saint-Esprit et ils comprendront. C'est un serviteur, un vrai et un envoyé de Dieu. Moi, je le répète, s'il s'agit de la distinction, na bango na yali poto, parce que moi, je ne connais pas. Pour Naloba qui m'aime très bien que nous, je ne suis pas un kimbangiste. Mais Christ peut se révéler à qui qu'il veut. Tu es bibi sonyo so que nous, Christ est quoi que akufaka physiquement, mais a ressuscitaka. Pe akumaka ko bimela et belé na bato. Mais pourquoi les gens doivent s'embrayer? Papa, nga Naloba kaso ki na ke na mokana na apocalypse. Bible lobi, oya ndimi andima. Ce n'est plus le temps où il y a un débat, milaï. Parce que cherchons beaucoup, merci, cherchons beaucoup plus à savoir l'heure qu'il fait dans la montre de Dieu. Oui. Les temps sont graves. Donc je ne vais pas tourner tout autour de cela. Parce que je sais que le diable est malin, mais à cause de l'angaïté. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, prophète. Mais pour nous, nous ne sommes pas cordés avec qui. Ni ne pousser qui au fou comme. Ah, merci. Merci beaucoup, Limbisa. Je suis encore en convalescence. Vous voyez que j'ai perdu des vues. En tout cas, il y a pour ça qu'il y a une foule. Ma papa, est-ce que ce qui est de la foule, moi, j'avais dit que la foule qui est devant, c'est moi qui m'en. J'aimerais expliquer mes mots. Je veux bien que tant que vous avez un éclat, je ne pouvais pas supporter la chaleur. Donc, éclairage, c'est ce qui est éclat. Et ce qui est plus puissant que le soleil. Et papa, je veux dire que l'île de Patmos, il faut quand même que les gens soient réfléchissent, mon frère. Toke na dans le livre Apocalypse des gens. Tango ange abîmé là qui Jean dans le livre de Patmos. Vous savez ce que Jean a fait? Jean a coca qui ko supporté effroi wanate. A coca qui ko supporté grandeur, il y a ange wanate et Jean était tombé. Bible dit que a fukama qui prêt à l'adorer. Et qu'est-ce que cet ange a dit? Réserve-toi de le faire car je ne suis que ton compagnon de service. Mais pourquoi les gens ne peuvent pas se fier aux écritures pour pas comprendre? Jean Foucault, il écoute Bible, lui, qui a fait un coca qui a supporté l'éclat en Joanate. Mais c'est quoi? Il y a un éclat qui a été mon anasimo. Je ne pouvais pas non plus le supporter. Et c'est ce qui m'avait poussé à tomber. Mais ce n'est pas que volontairement, il y a un Foucault qui a. Non, non, ce n'est pas dans ce sens-là. Merci beaucoup. Cordon qui? Voilà, merci vraiment à Biyanoana et merci à Brad pour la question wana parce que biso peut tozwa ki ango mwa mingi mais tant que mususu bande ko na biso to meka ka kozonga mwa mukesima soki makambo e salama e salemaka na kati ya Bible to tanga ki yango peut-être soit tozo tanga na ba kombo ya batu ba Jean ba Pierre ba nini tozo penser que déjà ils ba kombo ya ba occidentaux to ya mindele ndenge to benga bango mais soki même eloko wana e salemi na ndeko na biso peut-être africain tous à la clair africain tout le monde en gros là ce sont des choses impossibles ça ne peut pas se faire donc comme ça et maté en tout cas tout kanisaka na ndeko wana te parce que les autres là déjà biso moko toujours mitia déjà tout le baba tout ba toujours ça des complexes d'infériorité entre biso déjà na esprit alors et aux difficile pour tous à la tout émerger makasi voilà pasteur Rick Mans torozonga na yo totika prophète ape mamwa muke révérend Rick Mans tomoni lelo pandémie oyo et Roger Penza Mokili et depuis yango pe e bandi et ça ni en tout cas tozuna no temps ya osa l'émission mokote analyse nini ya osala na pandémie oyo et za vraiment ko et Fukamisi Mokili et ralentir Makamounio, so ba église partout dans le monde déjà fermée, ba école, ba ni donc tout ne bouge pas, économie ainsi de suite. Analyse nini ko salape, nini peut-être Nzambe a talisi na équipe Oyo Mobimba pendant tous ces temps. Merci papa Eki. Donc esa question moko similaire donc ils ont appelé pas ya prophète mais toti ka na nozo mo ape mamuke bongo. Bon, merci mingi papa Eki pour la question voilà par rapport à la cambo isolée dans le monde entier.
analyse des alliés belé, ce sont des analyses autres aux salles, les alliés belé, mais ton comme kako talisa dans nos ambés, comment nous avons analysé Makambo Yango, parce que tozo yo kaibele donc dans les réseaux sociaux Makambo kilikili, donc quelque part et comme même on dirait pour embrouiller bateau. Mais quant à moi, na sala qui analyse moko boye, dans ce moment que ma commune est ici biso bien, donc tant que ça m'a bé, tant que tout ça n'a pas été m'a bé, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Alors parce que dans ça l'analyse mon compte bien aimé, de Adam, si tu comme na Jésus, si je ne me trompe pas, ça fait 4000 ans, et de Jésus, si tu comme na Bissolelo, ça fait 2020. Alors c'est au sanguissi. Donc 4000 ans plus 2020 et puis c'est biso 6020. Or et pas na nzambe mon kolonaye moko ezana et pas na biso ezali 1000 ans. C'est-à-dire un jour et pas na nzambe vaut 1000 ans et pas na biso. Oh. Alors nzambe akelaki mokili na 6 jours. 6 jours et le 7e jour ezana ki repos. Alors cet obstacle calcul wana na analyse wana tout ça les calculs de comment on a que de Adam si tu comme établis sur tes ali tout ça tu as déjà 6 jours il y a un zambé c'est kokaki maintenant donc aux autres zélandais le 7e jour alors or le 7e jour nzamba pe maki le 7e jour c'est le repos le 7e jour c'est le salut alors ça dit ba nzambé c'est ngali ba comprendre de loko wana que tant que zambé tu as déjà tout stock consommé donc 6 jours. Et maintenant, c'est qu'à coup de sifflet, il y a Paul, à Zolo, Banamokana, dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Donc, vous avez un signal, il y a ange avec ta trompette pour être Yesu. Aya. Alors que les gens ne comprennent pas que les gens tout le monde, ils ont un signe quelque part, un signe de temps. Alors, tu as analysé la salimoua, ma casse Nesikao. Na yo qui est belé, les gens disent, oh, c'était fabriqué. Les autres disent comme ça, comme ça. Alors, je suis en train de analyser la fanditi, la lundi, le commentaire, le message est belé. Et même, na yo qui est en train de se faire, na kende na na livre de Genèse 11. Na livre de Genèse 11 kuna elobeli makambo ya tour de Babel. Alors elobeli makambo tour de Babel ndenge ni bato basala ki projet na bango et projet wana ekokana kite na volonté ya Nzambe. Et bongo tango ekokana kite na volonté na Nzambe parce que volonté na Nzambe ezali ki mokili bato batondisa mokili. Mais bango bake kozwe sika moko na plaine ya Shinear bamoni ke to tonganda komulai ville moko tous à la kakampo basa la combo. Et maintenant le col est kokana qui na volonté ya Nzambe te Nzamba kitaki alobi confi donc aye ko confondre bango. Donc ba langue koma ki ebele tant ba langue komi ebele donc projet wana ekatani. Alors makambo yo ndina yo ki yango me makinga etiku na bi bon Nzambe voilà ma façon maintenant de prier. La bi Seigneur soki makambo oyo pandémie oyo ezali ezali accomplissement. Il y a malobana qui dans les derniers temps il y aura des moments difficiles. Ce qui est accomplissement, merci Seigneur parce que malobana est le caca pas mater. Mais encore une fois qu'on batte là, bah oui yo. Mais ce qui est ali bongoté, est ali caca mayele ya bato ninge zala kamabe, bah ninge kosta la bisala sala ebele et yango e memi makambo oyo nzambe yo ko confondre. Oyo nyo so bazali derrière makambo là parce qu'on a beaucoup d'informations sous prétexte que non va réduire la population y a monde. Donc entre parenthèses si c'est vrai ou faux moi je ne sais pas mais nga na zo bon de la micro na bon na so makambo belete kaka bongo nzambe so zali mokano na yo merci épargner biso bana na yo so ke zali mokano na yo te confusion confondre barbatoire na oyo nyo so bazali derrière makambo na nyo so mais bana na yo toujours bazaka kaka protéger. Voilà un peu analyse nangai namike ko sala po na makambo oyo donc ezali quelque part les signes de temps on doit quand même s'apprêter parce que ko ya na mo la moto e belemi ce qui toke plus loin au commande na papa bazolo ba makambo même ya puce hein la puce wana donc RFID c'est quelque chose pareil mais tso tangi na Apocalypse 11 au commande na bisika wapi bazo tia puce wana awa. Donc awa tombe dans mbunzu. Apocalypse c'est une marque de la bête. Ils ont tiens ma awa tombe dans mbunzu.
Alors, ça dit, il faut que mon ait non, donc toujours quand t'as malembe, malembe, pour na koya na moi na moto. Et c'est ça un peu, donc, analyse, on a la quoi que ça, la loco la, moko na basaï na zambé, na katipé na équipe. Donc, c'est ça un peu, papa Eki. Voilà, merci beaucoup na analyse na yo, pe na nyon soutou, yem sibiso na ti na ya corona, na ndengo moni loko la tour de Babel, ainsi de suite, et ça vraiment, par exemple, moko oyo, soki to moni le lope, bandego na biso, misusu na ba États-Unis, na ba Europe, bazwagi ba décision, oye pe sa yinzambe loko mouté, donc il fallait quand même confusion, moko y sa de ma boye, to moni bati ba koma y kondi ma ba. Bato baba la nana ba niama bilo kwa ndengu wana elo kwa mongo te ya bongo ya kwa pe sanzambe elo kumu. Prophète Jonathan, tozongye pa ina yo na mem motuna. Merci. Que Dieu vous bénisse richement. Na kanisi, j'étais très attentif pendant que le pasteur avait pris la parole pour aller kanako pe sa point de vue naye par rapport à cette pandémie qui est en train de frapper la terre entière. Mais pasteur a outi kopé sa de révélation. Moi, j'étais heureux, oui, du fond de moi. Pourquoi? Parce que a utilisé terme mon corps, la trompette sonnera. Mais à cause de la surprise, na message mon corps na collé kanakopé ça tout à l'heure. Il sera vraiment surpris. Et je pense que yo koki cause la telle ma surprise, mais pasteur a cause la surprise. Je sais pourquoi je l'ai dit. Mais ngai point de vue ngai par rapport à motuna wana. Je pense que Ezali, l'une des occasions que vous m'accordez, dans les Kanako profiter pour au fait na communiquer directement un message tel que le Seigneur me l'a recommandé. Amen. Certainement pendant tout ce temps de maladie, d'hospitalisation, pendant tout ce temps et à convalescence jusqu'en ce jour, le Seigneur a se révélé à moi, en tout cas de plusieurs façons. Et durant tout ce temps que le Seigneur s'est révélé à moi, je ne faisais qu'écrire, écrire, écrire. Et toutes ces révélations ont débordé et commis tellement ébellé que je sens que ça peut exploser. Voilà pourquoi je le répète encore, que si j'ai accepté votre invitation, parce que je cherche à me défouler, parce que je sens la gravité des choses qui s'approchent. Vous savez, papa, la Bible déclare d'ailleurs, il y a même une parole de sagesse qui dit qu'un homme sage voit le mal venir de loin et l'évite. Sincèrement, je vous dis, un bon chrétien, une bonne chrétienne doit chercher tout au long de son vivant à connaître l'heure qu'il fait dans la montre de Dieu. Parce que ce qui te cotambolate, si nous n'allons pas marcher tout en savoir l'heure qu'il fait dans la montre de Dieu, nous sommes comme des véhicules sans phare pendant la nuit. Et la fin de notre course sera dans les ravins. Alors je vais commencer les tout premiers messages et vous allez remarquer que dans les messages que je vais donner au peuple de Dieu, votre préoccupation sera incluse. Et alors, à cela, papa, la première révélation dont le Seigneur s'est, au fait, adressé à moi, concerne votre chaîne. Ça va un peu vous surprendre. Okay. Mais ce n'est pas une particularité pour que vous, au fait, soyez, je ne sais pas moi, stupéfait ou comment. Non. Et vous savez, pendant que j'étais en train de prier le Seigneur à la date du 19 avril, bien sûr, de cette année, la nuit, bien sûr, vers 22h, le Seigneur a commencé à me rappeler certaines choses. Pendant que nous avons eu à tenir des émissions avec vous, je ne cessais d'insister pour vous dire que, papa Eki, vous recevrez des gens de toute nature dans votre chaîne. Et à chaque fois que nous passons dans les émissions, soyez-en sûr qu'il y a des occultistes qui nous suivent, soyez-en sûr qu'il y a des féticheurs, des marabouts, des intellectuels, des gens de toute nature qui nous suivent. Et à cela, qu'est-ce que le Seigneur me dira? Vous savez, la Bible déclare que là où sera ton trésor, sera ton cœur. En vérité, je vous l'ai dit, dans votre chaîne, vous recevez de vrais serviteurs de Dieu. Mais le diable va vous combattre. Je dois vous le prévenir. Comment le diable va vous combattre? Vous savez que là où le diable voit qu'il y a le salut, il va toujours s'attaquer aux innocents, afin de gagner les âmes pour l'enfer. Alors, la stratégie du diable consiste à quoi? Je l'insiste encore qu'il enverra des faux serviteurs dans votre chaîne. Il enverra des gens. Pourquoi? Parce qu'il voit que dans votre chaîne, vous recevez des serviteurs et des vraies servantes de Dieu qui communiquent réellement les oracles du Seigneur. Alors, le diable, dans sa stratégie, a un clin d'œil dans votre chaîne. Il comprend qu'il y a des âmes qui sont sauvées dans votre chaîne. Et il dépêchera normalement des envoyés des ténèbres. Parce que même la Bible dit, « Nombreux viendront sous mon nom. »
mais pendant qu'ils ne sont pas les miens, alors vous devez être très vigilant. C'est vrai que peut-être en vous, Dieu ne vous a pas ouvert les yeux spirituellement afin de dénicher qui est vrai et qui ne l'est pas, mais ma prière est que Dieu vous rendent attentifs et prudents. Même ceux qui nous suivent, Dieu leur dotera normalement de cette grâce-là, de comprendre qui réellement passant dans votre chaîne vient ou pas à son nom. Alors que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous m'autorisez à continuer ou il y a une question. Non, vous pouvez continuer, merci, on va poser des questions. Dieu vous bénisse. Vous savez, pendant que vous avez demandé au pasteur de prier pour l'introduction du message, moi je priais à mon intérieur et je demandais au Seigneur de me donner la force parce que j'ai deux messages très importants que je dois communiquer. Malgré les douleurs de part et d'autre, en tout cas, je communiquerai ces messages et je vous demanderai à vous qui nous suivez. Parce que je l'ai toujours dit, la Bible déclare, la lumière étant venue dans le monde, les gens ont préféré les ténèbres à la place de la lumière, de peur que leurs mauvaises œuvres ne soient mises à nu. Peu importe toutes les insultes et les qualifications que les gens peuvent nous infliger, mais nous demeurerons dans cette voie jusqu'à la fin. Parce que l'heure est en train d'avancer rapidement dans la montre de Dieu. Et je l'ai toujours dit, en tant que sentinelle, qu'en 2020, nous vivrons l'accélération, je l'ai dit depuis le mois de janvier, l'accélération de l'accomplissement de plusieurs prophéties, y compris apocalyptiques. Et nous sommes en train de réaliser la vérité face à nous, en ces jours. Et alors, j'ai eu normalement à recevoir des choses étranges en date du 20 avril. Nous sommes le 22 aujourd'hui, pasteur. Merci, donc il y a deux jours passés. Oui. Ça va vous étonner. Je l'ai toujours dit comme acte des apôtres, les déclare que nous ne sommes pas des fous. Parce que quand les pharisiens se moquaient des disciples, ces gens sont ivres de l'alcool. Mais l'un s'éleva du milieu d'eux, que ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez. C'est vrai que nous sommes en train de vivre des temps qui sont graves. Des temps, je vous dis, graves, où ne blaguons plus avec notre spiritualité. Ne blaguons plus avec le peu de temps qui nous reste. Faisons très, très attention. Je reçois des visitations vraiment qui m'ont dépassé. En date du 22. La première visitation était aux environs des 11h. C'était une visitation comme ça. Ce n'est pas une vision, mais une visitation ainsi, directe comme je vous vois. Et la deuxième visitation était dans une vision où même la personne qui était proche de moi vers 23h s'était dit un peu s'écarter de moi. Alors vous me poserez peut-être la question de savoir c'est quoi ces messages. J'aimerais que tous soyons attentifs. Mais permettez-moi de lire d'abord une référence biblique. Okay. Et j'aimerais la lire. Je demanderai au bien aimé de m'excuser. Vraiment, je l'ai toujours dit que j'ai un problème des yeux. Pasteur, je demande toujours la grâce du Seigneur. Quand je suis dans la vision, le Seigneur me communique un message que je me retrouve dans la vision. Papa, mes yeux peuvent voir même à 1 km. Wow. Mais quand je suis, dans le monde visible comme ça, oui, c'est vrai que je suis né avec la déformation de la cristalline, donc je demande, je m'excuse parce que j'aimerais lire cette référence dans mon téléphone, parce que même si je prenais la Bible, je ne saurais pas bien voir. Voilà. Alors, nous allons tous ouvrir nos Bibles et nous allons lire le livre de Daniel. Daniel chapitre 12, le premier verset jusqu'au 5e verset. En tout cas, papa, je vous demanderai, faites passer cette émission telle qu'elle est en train de se passer. Le Seigneur a insisté. Peu importe le temps que cela peut prendre, mais il faut que le message passe. Alors, je lis au nom de l'Éternel. Amen. En ces temps-là, s'élevera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ça sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Verset 5. Verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et le verset 5. Et moi, Daniel, je regardais, voici, deux autres hommes s'étaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. D'ailleurs, si je prends ce verset 5, quand il dit qu'il voyait deux personnes. Mais papa, considérons ces gens aussi que c'était des morts.
Mais Dieu l'a ouvert les yeux et il les a vus. Bon, pourquoi les gens doivent tourner tout autour? Papa, vous savez, la manque d'une bonne compréhension des Écritures peuvent conduire quelqu'un à la mort. C'est pourquoi même la Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissances. Quand Christ disait que je détruirai ce temple, mais je la rebâtirai dans combien de jours? Dans trois jours. Mais de quel temple? Est-ce que c'était un temple physique? Vous voyez que le pharisien, alors moi je demanderai à ces bien-aimés qui ont posé cette question-là de ne pas se comporter comme des pharisiens, mais de chercher à être remplis du Saint-Esprit pour bien sonder les Écritures. Je reviens dans les messages. Moi, votre bien-aimé et sentinelle, je l'ai toujours dit. Non. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Et Dieu n'accepte jamais la mort des pécheurs. Il nous accorde tous le temps de nous repentir. Mais est-ce que nous comprenions vraiment la grâce du Seigneur dans nos vies? À 23 heures, pendant que j'étais en train de prier, j'entendrais dans mes oreilles une voix forte qui avait crié, « Fils de l'homme, lis cette référence. » Nous venons tous de la lire. Et après l'avoir lue, j'ai senti que mes yeux là étaient devenus lourds. En tout cas, aujourd'hui, je me suis dit, papa, d'intervenir en français. Et bien sûr, je vais aussi intervenir un peu en lingala pour aider la multitude. Parce que vous remarquerez que la communication du message d'aujourd'hui n'est pas seulement liée à nous, Congolais, mais aux Africains et aux peuples de Dieu, partout où ils peuvent se trouver dans ce monde. Amen. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand j'ai senti la lourdeur là, dans mes yeux, c'est comme pareil à une personne qu'on donne l'anesthésie. Hein, vous sentez que les yeux là deviennent un peu élastiques. Oui. Et du coup, je me suis retrouvé en extase. Dans la vision. Je me retrouve dans un champ de tir. Je pense que vous êtes fils du militaire, d'un militaire, vous connaissez ce que c'est, un champ de tir. Là où les militaires vont s'entraîner dans leurs artilleries militaires. Alors, quand je me suis retrouvé dans ces champs de tir, c'était un champ vague. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe encore ici? Je suis où? Et du coup, j'entendrai, papa, une forte voix qui venait du ciel. Un bruit, un grand bruit. Quand je me suis dit, lever ma tête, c'était une étoile. L'étoile venait de l'arrière et allait vraiment en flèche de l'avant. Et moi, mes yeux n'étaient que braqués pour voir cette étoile où elle allait. Comme une étoile filante. Merci beaucoup, comme une étoile filante. Et qu'est-ce qui va se passer? Du coup, là où cette étoile s'était arrêtée, l'étoile est tombée. Quand l'étoile est tombée, ça avait créé un bruit impossible. La terre avait tremblé et ça avait fait remonter de la poussière. Vraiment de la poussière que je ne pouvais même pas bien voir de l'avant. Et du coup, quand j'ai vu ça, il y avait trois créatures. Trois créatures qui sont apparues devant moi, là où cette étoile était tombée. Non, Dieu est bon. Dieu est bon. Quand j'ai vu ces trois créatures, c'était horrible, c'était des anges. Il y avait deux anges masculins et un ange féminin. Alors, quand je voyais ces anges, en tout cas, c'était des anges, je ne dis pas les anges du Seigneur, mais c'était des véritables démons. Parce qu'à voir leur face, ils avaient des cornes sur leur tête, donc de formes que je ne pouvais pas supporter de loin. Alors, je me posais intérieurement la question de savoir, mais c'est quoi ces créatures? Et du coup, j'ai senti à mon oreille droite la voix de la Suliette. Vous connaissez la Suliette? Oui, alors, je me suis retourné, bien, merci beaucoup, pour voir d'où venait cette voix. Je voyais une brière. La brière venait de loin, elle avançait vers moi à la forme humaine. Quand cette brière est arrivée proche de moi à la forme humaine, la brière me dira ceci, fils de l'homme, le premier ange des ténèbres, le brière a bien précisé, que tu es en train de voir là, s'appelle Tétragrammaton. Écoutez les noms qu'on me donne. Cette brière me dit, le premier ange des ténèbres que tu vois avec sept cornes sur sa tête, s'appelle ce nom Tétragrammaton, c'est un démon. L'autre ange masculin que tu vois à droite s'appelle Ashtaroth, c'est un démon. Mais, vous m'excusez, moi je n'ai pas fait les sciences occultes, hein, mais allez vérifier si réellement il y a des démons qui s'appellent et qui se nomment ainsi. Alors, mais l'ange que tu vois au milieu, parce que là c'était un ange féminin. Non, c'est horrible. L'ange que tu vois au milieu des, c'est une déesse. Vous allez m'excuser, on m'a donné son nom. Peut-être dans nos familles, nous pouvons avoir des gens qui peuvent porter ce nom. Vraiment, vous allez m'excuser. Je ne dis pas que ce nom est mauvais par rapport à ce que vous avez aux membres de vos familles, non. Mais on m'a dit que celle-là que tu vois s'appelle déesse Lily. Okay. C'est la déesse Lily. Mais mes yeux étaient beaucoup plus focalisés vers cette déesse. Quand j'ai regardé cette déesse, non. La déesse s'était maquillée d'une manière bizarre. Les chevelures de cette déesse n'étaient que des mèches. Je dis bien des mèches qui abondaient sa tête jusqu'à la hanche. Mais ça bougeait comme des petits serpents.
Les ongles de cette déesse pouvaient aller jusqu'à 30 cm de longueur. Alors je me disais que c'est effrayant. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. J'ai eu à tenir une émission avec vous où le Seigneur m'avait dit de dire à mes sœurs que beaucoup de femmes risqueront d'entrer en enfer à cause de la beauté. Mais est-ce que nos sœurs pensent que quand nous venons leur communiquer, ainsi dit l'Éternel, je ne sais pas si c'est pour les haïr ou comment. Non, mais c'est pour leur bien-être. À cause de la beauté, j'insiste, nombreux se retrouveront en enfer. Comment expliquer? Papa, les Français nous ont enseigné que le bon exemple vient d'en haut. Moi, pasteur, moi, servante, mais je viens me présenter devant les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, avec pleine de mèches sur ma tête, avec des chaînettes comme des colliers là, et avec des ongles que les femmes commencent à nous ajouter comme si elles voulaient modifier l'aspect du corps que Dieu a créé. Mais qu'est-ce que nos sœurs sont en train de chercher? Pratiquement, c'est ce que j'avais vu normalement dans les corps de cette déesse. C'était affreux, je ne pouvais pas supporter. Et du coup, cette brière qui était à mes côtés me dira ceci: qu'est-ce que tu es en train d'observer derrière ces trois créatures? J'ai dit non, en tout cas que Dieu puisse m'aider ses yeux. Ses yeux, je pleure beaucoup au Seigneur par rapport à ses yeux. Je pouvais voir, je vous assure, de 1 km loin de moi. Alors je voyais derrière ces trois créatures une table. C'était une très longue table de la conférence. Écoutez, je le dis et je le répète. Cette année n'est plus l'année où les gens doivent jouer au cache-cache. C'est une année où tout ce qui est enfoui remonteront à la surface. Toutes les réunions occultes qu'ils tiendront, je ne sais pas, nuitamment, pendant que les personnes, les gens dorment, le Seigneur mettra toutes ces vérités comme ça à nu. Et ils seront surpris. Je sais ce que je dis. Alors, la table que je voyais était tellement longue, pouvant aller jusqu'à 50 mètres. Et tout autour de cette table, il y avait des chaises. Mais la brière qui était tout autour de moi, la voix que j'entendais de cette créature, me dira: n'aie pas peur. Observe maintenant ce qui va se passer. Écoutez, papa, sous le soleil, rien n'est caché devant l'Éternel désormais. Rien n'est caché. C'est le temps où Dieu nous interpelle tous. Tu es prophète. Tu es prophétesse, tu es évêque, tu es pasteur, marchons dans l'ordre, parce que les temps sont graves. Je le dis et je l'insiste que Dieu mettra tout le mauvais œuvre à nu. Mes sœurs, je vous en supplie, vos maquillages, tout ce que vous complétez dans vos corps, vos mèches consorts, risqueront de vous faire manquer le royaume des cieux. Vous êtes servante, vous êtes, je ne sais pas moi qui, dans l'œuvre du Seigneur. Faites très attention, soyons de bons modèles. Et alors, quand j'ai vu cela, ces trois créatures sont allées s'asseoir sur les chaises. Chose surprenante, quand ces trois démons se sont mis assises, Ashtaroth, comme avait présenté les démons, a crié à haute voix: mais nous vous attendons, vous êtes où? Là, autour de cette table. Autour de cette table. Quand ces démons a crié, du coup, je voyais les gens sortir comme ça du néant. Les gens sortir du néant, non, non, c'était un film devant moi, cette vision. Les gens sortaient du néant. Et ce qui m'a surpris, tous ces mondes qui sortaient du néant, c'était les présidents africains. Et ces présidents africains sortir du néant venaient s'installer. Ils s'installaient sur ces chaises. J'insiste, les présidents africains, les politiciens africains sortaient comme ça du néant et venaient s'installer sur ces chaises. Et j'ai compris qu'il s'agissait d'une réunion. Quand tous se sont installés, parce que peut-être vous allez me poser la question, est-ce que j'ai eu à reconnaître certains? Oui, mais je ne cite pas les noms, mais j'ai reconnu certains. Et les politiciens africains et les dirigeants africains. Alors, quand ils se sont tous installés sur ces chaises, qu'est-ce qui va se passer? Tétragrammaton qui était de l'autre côté, donc ils avaient pratiquement pris le démon femme au milieu des... Alors, a crié à son tour tétragrammaton: mais nous vous attendons, vous deux qui restez, vous êtes où? Du néant, deux présidents occidentaux. Il y avait le président français et il y avait la reine, la vieille là d'Angleterre. Oui. Vous la connaissez, non? La reine Elisabeth. Merci beaucoup. J'insiste, la reine d'Angleterre s'était assise à côté du démon Ashtaroth, et l'autre que je viens de dire, c'était assis du côté du démon Tétragrammaton. Alors, écoutez, Grammaton, Macron, que les réfléchis comprennent. Et alors, quand ils se sont mis assis, l'objet de leur réunion était quoi? Peuple de Dieu, peuple africain en particulier, malgré mon mauvais linguistique, mon français aquatique est malade,
Mais je me suis efforcé quand même de dire certains, d'articuler certains mots en français pour nous permettre à tous d'entendre et de comprendre. Je venais au début de lire une référence. La Bible dit ceci. C'est lui qui a vu a rendu témoignage. Et son témoignage est conforme à la vérité. Ils verront celui qu'ils ont percé. C'est la Bible qui le déclare. Alors, ouvrons tous nos oreilles. Parce que quand nous nous tenons devant vous, nous ne venons pas nous aventurer. Nous sommes en train de traverser les derniers virages. Et si les Africains, si nous allons rater ces virages, ça sera le pire. Pourquoi je le dis? L'objectif de cette réunion était quoi? C'est des dirigeants occidentaux, influencés par ces démons, devaient imposer aux dirigeants africains, précisément, à leur tour, les dirigeants africains, à imposer à leur peuple d'accepter le vaccin dont on est en train de vouloir imposer en Afrique. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, oui, très bien. Je le répète encore. Donc, l'objectif de ces démons était normalement de donner l'instruction à ces dirigeants occidentaux d'imposer aux dirigeants africains, n'est-ce pas, d'imposer à leur tour, à leur peuple, ces vaccins-là. Alors que les réfléchis comprennent. Il y a, je vous dis, papa, des dirigeants africains, il y a des politiciens africains qui ont déjà été corrompus avec des grosses sommes d'argent. Et ils ont même déjà ces vaccins dans leur pays. Écoutez, les yeux de l'Éternel voient partout. Alors, ils vont chercher. Il arrive un temps. Suivez-moi bien, peuple de Dieu. Il arrive un temps. C'est ce qui se disait dans cette réunion. Ils vont tellement imposer ces vaccins aux Africains, leurs propres politiciens, dirigeants africains, jusqu'au point où ils commenceront par des arrestations. Même des enlèvements. Ils vous enlèvent la nuit, on vous arrête la nuit, on va avec vous quelque part, juste vous injecter ce vaccin. Après, on vous laisse continuer la route. Je vous dis que les choses sont très graves. Dieu ne révèle jamais quelque chose en vain. Alors, la Bible dit que c'est lui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Est-ce que vous pouvez m'accorder 10 secondes de repos et je vais continuer avec le dernier message. Voilà, merci, merci beaucoup. En tout cas, c'est triste que le message est aboyé et comment on a été nos dirigeants africains selon cette vision. Nos dirigeants africains, vous êtes là dans des réunions obscures pour venir aussi imposer à vos peuples. Donc c'est vraiment déplorable. Je ne sais pas. Oui, vous pouvez continuer, Brad. Ça n'est vraiment pas si il y a un message ou une vision ou un prophète. Mais nengena na songa mingi et pas référent tant que na biso na na calcul sali wana analyse na na songi mon ke pour faire 6 jours il y a 6 jours il y a nzambe donc 6000 ans 6000 ans et puis 7e jour de sali le rôle 7000 ans au do ça donc tu continues déjà na 7000 année ya moto moni ba bloko to mais au bête sous sur celui la trompette or na bible balobaka quand le septième ange sonnera de la trompette. Septième ange, et puis septième jour. C'est qui le septième ange qui a sonné la trompette? Merci. La question est Brad. Je suis ici, dans le lobby de Kambo, il y a trompette. Dans le lobby, dans Mokanda, il y a 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18. Oui. Né Elobeliso, donc l'ange Michael. Donc Oyo a consommé la trompette. Donc c'est ça un peu. Donc l'ange Michael a consommé la trompette. Mm-hmm. Alors ça, quand il va jouer cette trompette, mm-hmm. il y aura maintenant ceux qui étaient morts en Christ, mm-hmm. donc vont ressusciter. Et après, nous qui sommes vivants à ce moment-là, donc nous, ça dit, ça sera en un clin d'œil, comme une mort en un clin d'œil, on va se transformer, on prend un autre corps, le corps incorruptible, et nous allons donc rejoindre là où Jésus est là, parce que Jésus va descendre, il ne va pas mettre ses pieds donc sur cette terre, donc il sera là dans les airs, c'est un peu ça que je peux dire. Est-ce que Otozo Kenango est la fin du monde? Merci Brad. Moni ma commune en Zambé et Pessi donc bah étape Oyo il y a fin du monde. Et ça la étape il y a enlèvement. Étape et enlèvement ce qui est Salemi
cela ne veut pas dire que monde souki. Donc les gens vont continuer à vivre et le diable va s'imposer, il y aura l'antichrist et le diable va s'imposer de sorte que même là où j'ai dit des puces là, des marques de la marque de la bête, donc on va imposer à tout le monde. Si tu n'as pas ça, tu ne vas pas acheter ni vendre. Alors si tu refuses d'être marqué, donc on risque même de te couper, soit on te coupe les bras, donc pour on va te torturer pour que tu acceptes, ou encore on va te tuer. Et c'est un peu ça. Alors, tu vois que non, après l'enlèvement, il y a le monde va continuer. Maintenant, c'est le règne, ce diable va faire vraiment des grandes choses bizarres. Et que nous, comme les enfants de Dieu, préparons-nous d'aller dans l'enlèvement. Amen. Merci beaucoup. Cordon, ce qui est moyen d'Atuna, question moi, pas prophète. Vas-y. Prophète, n'est-ce pas, COVID-19, coronavirus, oui. Et ça? Nzamba pesi val pona mabena bise leki ya ozonga na epoka Sodom na Gomor tu ezakaka charnellement bo mundela sali o babaki to komina surpeuplement ya na monde balka ba réduire population. Merci Nkola Pambola yo. Oebi eloko moko papa que j'aimerais vous dire to lingaka mingi te ko associer Nzambe na makambo oyo yo étalier directement te. Oebi souvent que les malheurs ne viennent jamais seuls. Il y a de ces malheurs qui sont en train de s'abattre sur la terre, deux fois à cause de Yamoutouye Moko. C'est vrai que peut-être vous n'avez pas eu le temps d'être avec moi sur les plateaux, dans l'émission Mingue et Leka, mais j'ai eu une fois à révéler une chose. La plupart des épidémies qui sont en train de frapper la terre, c'est l'homme qui en est à la base. L'homme qui est en train de créer ces épidémies comme une arme afin d'exterminer normalement ba semblable na ye. Vous voyez, pasteur Aouti Kolobelo comme quoi ba oya nzambe nzamba e bindenge nini a épargné kabango toujours. Je pense que par là vous avez quand même la réponse à votre question. Oui. Mais du moins na sepeli pe na mituna oyo otuni pasteur. Mais na moni mituna on a comme si elandinga directement, mais je ne vais pas y revenir, seulement je vous demanderai que nous puissions à la longue, mais rachetons aussi le temps, organiser une émission uniquement sur le temps de la fin. Parce que je vous dis que le Seigneur a eu à m'utiliser depuis l'âge de 9 ans. Parce que mon ministère à moi, papa, je vous dis, est fondé, ce n'est pas sur la prophétie, mais c'est sur la repentance. Je dis bien la vraie repentance. Okay. Parce que j'ai une lourde charge de préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement. Vous comprenez? Donc, il y a trop de mystères par rapport à cela. Vous savez que moi, en grandissant, papa, on a failli me couper la tête. Parce que le Seigneur m'avait ouvert une connaissance, papa, impossible, jusqu'au point où je m'étais hasardé à calculer même, donc je me disais, calculer la date exacte à laquelle Christ reviendra. Oh. Donc, je vous dis que les pasteurs, même qui comptent, même de blanc, me disaient que cet enfant, c'est un démon. Parce que le niveau que tu as atteint de révéler certaines choses, un humain ne peut pas le faire jusqu'à ce que le Seigneur m'a bloqué l'intelligence. Donc, nous allons organiser une émission où nous allons chronométrer étape par étape. C'est pourquoi j'ai insisté dès le début, cherchons à savoir l'heure qu'il fait dans la montre de Dieu. Mais par la plupart des questions que vous avez posées au pasteur, vous aurez la réponse dans la deuxième révélation que j'aimerais commencer tout à l'heure. Merci, merci beaucoup. Merci, prophète. Je crois qu'on va toujours retourner à vous pour continuer cette message ou deuxième message pour que nous citons déjà dans notre émission. Pour que, merci. Merci, que Dieu vous bénisse richement. Et alors, quand toutes ces choses que je venais de voir au premier message se sont accomplies, moi, je n'avais dit que merci à Dieu. Et du coup, cette forme qui était à mes côtés m'a dit ceci. Fils de l'homme, je te recommande à deux références bibliques que tu dois lire. La première référence biblique, je dis bien, cette forme humaine qui était à mes côtés sur la brière, me dira ceci. Tu liras le livre d'Apocalypse de Jean, chapitre 9, versets 1 à 5. Et tu liras le livre d'Ésaïe, chapitre 26, versets 20 à 21. Permettez-moi de lire ne fût-ce qu'une référence. L'Apocalypse, c'était 9, versets 1 à 5. Okay. Alors, je lis au nom de l'Éternel. Apocalypse de Jean, chapitre 9, versets 1 en 5. Écoutez, papa. Non, Dieu est merveilleux, mon frère. Est-ce que vous savez que les anges sont déjà en train de sonner de la trompette? Que les gens continuent à blaguer. Mais moi, j'en ai rencontré un le 20. Mais
Je n'ai même pas voulu, moi, venir vers Papa Eki, mais j'ai demandé à maman d'aller lui raconter, parce que je voulais qu'elle soit le témoin oculaire. Les gens sont en train de blaguer. Parce que vous avez parlé du septième ange. Mais est-ce que vous savez déjà que nous sommes au quantième ange qui est en train de sonner de la trompette? Je lis avec vous. Alors, voilà les deux références que cette forme m'a donné dans la vision. Excusez-moi de l'appeler comme ça, la forme humaine que je voyais là, comme une brillard. Alors, la Bible dit ceci, Apocalypse 9, 1 à 5. Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée. Oh, j'ai béni le nom de l'Éternel. Amen. Mais n'est-ce pas que dans la vision ici, je vous ai dit que je voyais une étoile qui venait, voilà l'étoile filante, qui est tombée, avant même qu'il me donne cette référence. Non, Bible lobby, tika ete motona tembe, akobana tembe. Pe oya, zana kondima, akobana kondima, parce que le temps est proche. Alors, il dit ceci, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé, papa, les livres d'Apocalypse, si vous n'êtes pas rempli par le Saint-Esprit, vous n'allez pas comprendre ça. Écoutez, point. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. À qui? Posez-vous la question. À qui la clé de l'abîme lui fut donnée? Et on continue. Et elle ouvrit le puits, elle, au féminin. Elle ouvrit. Je vous ai parlé de trois créatures, dont au milieu, c'était un ange féminin. Je continue. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée. N'est-ce pas? Une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortait de sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et une leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Verset 4. Une leur fit dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu. Il a parlé de la marque de la bête, qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Est-ce que vous savez que nous aussi, on est là, on a déjà le sceau de Dieu? Amen. Nous avons déjà, nous, par la conviction, les sceaux de Dieu. Amen. Malgré que le diable est en train déjà de marquer les siens. Mais nous avons les sceaux de Dieu. Amen. On en parlera dans les jours qui viennent. Je termine par le verset 5. Il leur fit donner, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Vous savez, le COVID-19 tend à sa fin. Pendant 5 mois. C'est la Bible qui l'a dit, pas moi. Je vous dis que le COVID-19 tend vers sa fin. Mais nous allons vivre des choses épouvantables sur cette terre. Alors, vous-même, je préférerais à la maison, parce que j'ai donné des références, vous allez lire la révélation du livre d'Ésaïe. J'avais parlé du livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 20 et verset 21. Alors, vous comprendrez que malgré les confinements, le pasteur a dit, est-ce que Mino Konabi, c'est Kangami? Et Kangamité? Et vous comprendrez pourquoi est-ce que cet ange sous forme de brillard qui était à mes côtés m'avait donné, recommandé à ces deux références publiques. Que les réfléchis comprennent, si vous pouvez maintenant me donner la voix pour le dernier message. Oui, justement, c'est que nous attendons tous. Merci beaucoup. J'avais prié au Seigneur de me donner la force depuis le début. Amen. En tout cas, que le nom de l'Éternel Dieu soit béni à jamais. Amen. Deux événements le 22. Deux événements. Le 20. Le 20, le 20. Merci. Deux événements le 20. À 11h, ça ce n'est pas une vision. Papa, les anges de Dieu sont déjà sur la terre des humains. Au moment où nous sommes en train de parler, je vous confirme et je vous les reconfirme que les anges de Dieu sont déjà sur cette terre. Et ils sont nombreux, ils sont éparpillés. Ils sont en train de se promener sous la forme humaine. Comment? Mais si vous n'avez pas le discernement, vous ne saurez pas que ce sont les anges de Dieu. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Si nous, ceux qui n'ont pas le discernement, parce que la Bible même le dit, à défaut de ne pas comprendre certaines choses, nombreux ont reçu les anges du Seigneur sans les savoir. Ah mon Dieu, je venais de l'hôpital, il n'y a que 2 jours. Je n'étais pas seul. J'étais avec la maman, nous rentrons. En tout cas, que Dieu bénisse cette dame. On rentrait. Vous voyez, quand même les gens m'écrivaient des fois, je n'arrivais pas à répondre. Maman Esther était toujours là et elle répondait. Elle était avec nous. Ceux qui connaissent très bien Kinshasa, vous voyez, quand vous quittez Kitambo Magasin, vous venez vers la route de l'église catholique qu'on appelle Jean 23. Il y a un virage là. Alors, je me suis dit, comme je devais voir un mécanicien lui remettre une clé de contact pour lier, je devais faire un scale par là.
nous sommes tous descendus du véhicule. Quand nous sommes descendus du taxi, alors les mamans se sont dit m'attendre un peu, que je vois les mécaniciens parce qu'ils n'étaient pas éloignés de moi. Mmh. Je suis allé vers, il y a un siège de PPRD, un parti politique là, vers Jean, vers... je venais de donner un nom là, l'église catholique c'était quoi? Jean 23. Il y a un siège d'un parti politique tout au proche là. Mmh. Alors, j'ai vu les mécaniciens qui étaient là, on a échangé. Mmh. Quand nous avons échangé et que nous avons fini, je me suis retourné pour aller rejoindre les mamans. En me retournant, j'ai fait juste 5 pas, je vois une maman qui avait les légumes verts dans son bassin. J'ai compris que c'était une vendeuse de légumes verts. Non, Dieu est bon. Papa, Dieu nous aime, hein? Dieu est amour, mais nous n'aimons pas le Seigneur. Malgré nos péchés comme de la cramoisie, mais il nous pardonne toujours. Papa, je vous en supplie, ne blaguons plus avec notre état spirituel. Parce que l'air dans la montre de Dieu est grave. Quand j'ai vu cette dame, la dame m'a appelé. Il dit, fils, venez. C'était une dame âgée. Je me suis approché de cette maman. Il dit, mon fils, est-ce que vous pouvez m'aider à me soulever, m'aider, hein, à soulever ce bassin pour que je le remonte sur ma tête? Il dit, maman, il n'y a pas de problème parce qu'il y avait plein de légumes dans ce bassin. Je me suis incliné malgré mes douleurs. Malgré mes douleurs, je me suis incliné. Papa, faites toujours le bien. Oui. Je vous en supplie, faites toujours le bien quand vous êtes vivant. Faites toujours le bien. La Bible le dit, n'abandonnez pas de faire le bien. Continuez à faire le bien. Quand je me suis incliné, j'ai tenu ce bassin pour soulever. La maman m'a touché à la main, dit non, laissez. Oh. J'ai dit, maman, mais je vais vous aider. Dit non, laissez. Est-ce que vous me connaissez? J'ai dit, maman, non, je ne vous connais pas. Moi, je veux juste vous aider. La maman me regarde, il dit, prophète, oh, papa n'a si tout kaki. Donc, j'ai sursauté en moi. J'ai dit, dans mon intérêt, je me suis posé la question, mais comment c'est-elle que je suis prophète? Il dit, prophète, nous sommes nombreuses. Oh. Maman, vous dites quoi? Nous sommes nombreux, nombreux. Nous sommes déjà sur la terre, nous sommes nombreux. Prophète, est-ce que vous savez quoi? Il dit, maman, je ne comprends rien. Nous sommes nombreux. Et prophète, je vous dis, les trompettes sont déjà sur nos bouches, prêtes à sonner. Papa Naya qui juste. Donc, conscience d'Angé Zongi juste. Elle a insisté, nous sommes nombreuses et les trompettes sont déjà Namino Konabi sont prêtes à sonner. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que je suis en train de rêver ou c'est quoi? J'ai pris ma pauvre pochette ici, hein. Oui, je me demande, est-ce que je rêve ou c'est une rêve? Mais elle était devant moi. Il dit, prophète, nous sommes nombreux. Nombreux déjà sur la terre des hommes. Et nous avons déjà les trompettes sur eux, nos bouches prêtes à sonner. Vous savez que c'est tout ce qu'elle m'a dit. Et quand je me suis retourné, j'ai dit, maman, je peux partir. Il dit, oui. Je me suis retourné pour partir. La maman m'a touché à l'épaule. Il me dit, prophète, je te recommande à la lecture de 2 références bibliques. Et quelles sont ces 2 références bibliques? Je parlais parce que je suis en train de citer du livre d'Apocalypse de Jean, chapitre 22, versets 11 et 12. Comme c'est court, je lis directement au nom du Seigneur. Amen. Voici ce que la Bible déclare. Que c'est lui qui est injuste soit encore injuste. Que c'est lui qui est souillé s'essuie encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que c'est lui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, afin de rendre à chacun selon ses œuvres. Et la deuxième référence qu'elle m'a donnée, je parlais du livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 63. Qu'est-ce que la Bible déclare? Qui est celui-ci qui vient des dômes, des Botsra? En vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Tes vêtements comme le vêtement de celui qui est foulé dans la cuve. Continuez jusqu'à la fin, les réfléchis comprendront. Quand cette maman m'a donné ces 2 références, qu'est-ce qui va se passer? Je me suis retourné pour rejoindre les mamans là où ils étaient. Je n'ai fait que 2 pas, je m'étais arrêté, ma tête en bas. Je me disais, Seigneur, mais c'est quoi ce que je vois?
Je me suis aussitôt retourné pour voir cette maman. Pour Nata, la maman, voilà. Papa, la maman n'était plus. Je vous dis, je n'ai même pas fait 30 secondes. En deux pas, la maman n'était plus. Je me suis dit, non, dit, peut-être à Batami quelque part. Il n'y avait aussi pas des gens. Kakabano Babanda qui des gens qui jouaient à un jeu là. Kicker. Voilà, merci beaucoup. En français, c'est toujours kicker. Bon, les gens qui jouaient un peu un football là, dans une table là. Et alors, j'ai posé la question à ces enfants. Mais il y avait une maman ici qui avait une bassine pleine de légumes verts. Est-ce que vous l'avez vu? Ils disent, non, papa. Mais ici, il n'y a que nous. Ici, il n'y a pas une maman depuis que nous sommes là. Et j'ai insisté, dit papa, est-ce que la tête là ne va pas? Voilà ce que les enfants m'ont dit. Est-ce que votre tête là ne va pas? Il n'y a pas une maman ici. Je vous en supplie. Vous avez parlé de la trompette. La Bible dit, dans le livre d'Apocalypse 10, quand le septième ange, parce que la Bible dit quoi? J'ai vu un ange qui avait un pied. Donc, le kolomoko na lola, le kolomoko na mokili. Mais la Bible dit que quand cet ange se mettra à sonner de la trompette, s'accomplira les mystères de Dieu, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Nous n'avons plus le temps de blaguer. Je vous informe, nous venons de lire Apocalypse 9, les cinquièmes anges, les trompettes sont déjà en train de sonner. Alors papa, que Dieu bénisse tout un chacun. Que Dieu bénisse tout un chacun. J'implore à mes frères noirs, les Africains, soyez éveillés et soyez vigilants. Je me suis efforcé aujourd'hui afin que ce message passe en français. Et j'ai dit l'essentiel en français. Soyez vigilants. Mais je sais que parmi les dirigeants africains, il y a quand même des dirigeants et des politiciens qui craignent vraiment les seigneurs, qui ont fléchi leurs genoux par terre pour prier les seigneurs en faveur de leur peuple. Mais ceux-là qui veulent sacrifier leur population, je vous dis, Dieu mettra tout à nu. Nous approchons lentement et sûrement, je l'ai toujours dit, vers des événements. J'ai commencé depuis longtemps à sonner de la trompette un bouleversement. Amen. Dites-moi, cette pandémie qui embrasse la terre, n'est-ce pas un bouleversement? Parce que batona mokili balinga kaka qu'on puisse appeler les chats par son nom. O bape sa bango lo kamona maternel yo mokolo non. Cherchons aussi quand même to poussa kamayele na biso musika pour comprendre les langages prophétiques de Dieu. Mes bien-aimés serviteurs et servantes du Seigneur, ce n'est plus le temps des aventures. C'est le temps de s'accrocher à Dieu. Parce que nous serons surpris. Exactement, les trompettes sonneront. Et les trompettes sont déjà en train de sonner. Et les anges de Dieu sont en train de se révéler aux hommes d'une manière ou d'une autre. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Je dis merci à Dieu de l'attention que vous avez tous et toutes accordée afin de suivre ce message. Moi, la sentinelle, votre humble serviteur, peu importe le temps de confinement, ne nous en voulez pas, s'il vous plaît. Il ne faut pas nous en vouloir. Voilà, ils ont parlé de 1 mètre de distance, personne n'est contaminé ici. Et je vous dis que le diable se nourrit de la peur. Ça, le Seigneur m'a dit. C'est par la peur que cette épidémie viendra entrer en vous. Et le diable, parmi ses nourrissons, il y a la peur, les mensonges, mais la peur. Parce que le diable se sert de la peur par rapport à cette pandémie. Et moi, j'insiste encore. Heureux celui qui a cru. Car toutes choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur s'accompliront. Papa, que le peuple de Dieu écoute ces messages dans l'intégralité et que Dieu nous bénisse. La suite au prochain numéro. Voilà, merci beaucoup, merci prophète Jonathan pour le temps que tu nous as accordé malgré votre état. Et merci aussi au révérend Rick Moss et merci à Brad de Bomba. Et vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quand même, tu as dit qu'à révérend Boété, révérend Bandekwebele, Bananzambepe, peut-être par erreur, par la paire, Bazouakipe, peut-être maladie ouana. Le sambo moko pona ba yabiso na ba op bazala ki nango ta mususu ba komi deja kobika le sambo na tina ya bande kona biso nyonso tu na ba o nan bazali ko sambela te ba beneficier na grâce au polo bi batato la pe monene ya nzambe na biso ba o nyonso tu baza touché pona coronavirus comme tous les africains et ainsi que les congolais en particulier. Merci yambo na bande la pona ba bien aimé nyonso na za koye bisaba na nzambe. Ndenge prophète Autikoloba, la paix, zali moko yaba arme ya diable. Mpo na ko affaibli ba na zambe. Mais il y a une phrase qui est reprise dans la Bible
366 fois si je ne me trompe pas. Et cette phrase dit quoi? Ne crains point. Ne crains point. Or, une année a 365 jours. Donc, c'est pour dire que donc, chaque jour, cette phrase est devant nous, est devant toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui est Kobangate. Kobangate. Alors, ne crains point. Le Seigneur est là. Nous allons prier. Éternel des armées, Dieu, Tolobi, merci et païna yon zambé na mawa, zambé na nguya, zambé na bitamwa. Kolo oyoti kakabana na yote. Papa naza ko recommande maintenant, ba bien aimé nyoso bazo landa biso. Kolo na symboli le boko nanga li kolo, parce que le boko na yo eza mokusete te zanga ko bikisa. Bongo tala ba congolais, tala ba congolais en diaspora. Tala ba africain nion son zambé mbé ba bien aimé nous dans le monde au bazali atteint na coronavirus Seigneur de gloire na beli te le boko na yo et symbole malikona na bango et te ba oyo nion so ba tieli kay pa ina yo de bazala guéri na kombo na Yesu Masia Seigneur de gloire nzambe na bika moi tikete makila na yo et pas que la manabi kouki na bandako na bana bato na lento na ba poto na ba fenêtre partout et te l'ange de la mort quand il passera et te mon na bandako na bangote et que Dieu je déclare et te Seigneur de gloire coronavirus nzambe na ba oyo nyonso bazo yoka message oyo bazo landa prière oyo akondi manzambe na nguya et ko même mokote et te akufa na kombo na Yesu Masia même si elle était déjà atteint Seigneur maki là na yo ezo détruire nyonso oyezala ki atteint bezo même na lobiko parce que Dieu ozali molongi bisu zali ba longi ya koleka alors Seigneur de gloire tikete yo sala na ba o baza kobanga longola kobanga et te batale la yo Christo Yesu Masia afin que kombo na yo ekumi sa mampe et netolama mpela moko si ko sala na bande boko na bandeko oyo ba babela ki yango mpenda nzela mabonde li pekisi ba biki nkolo tikete o sala pela ba mususu tika bongo ngolu na yo nkolo biso Yesu Masia et pe bolingo na yo nzambe tata et ko sungela molimo mo santo ezana moko na moko na kati na émission oyo oyo landi biso à travers le monde était azala béni azala protégé au nom puissant de Jésus to bon deli bon tolobi amen amen. Voilà, merci beaucoup Brad. Message dernier message na yo peut-être na ba landi pe ya ya pisson premier TV et puis numéro ya vous pouvez aussi demander le numéro de contact des révérend Rick Mas. Merci beaucoup Cordon Eki, merci à IHP Media et puis merci à l'union sur la Psalm Premier TV. Vous avez abonné vous massivement sur votre chaîne. Psalm Premier TV est la chaîne où vous avez dit que vous avez trop spirituel, prêt, bon zambé, mingi na kati. Na bike, oyo to subino, ezambale soukate, surtout pas na biso na Psalm Premier TV. Pasteur prophète Jonathan et puis révérend Rick Mas, to subino, il y a une chaîne à biso pour plus parler na ba. Makamu mingi oyo bimisi awe za tellement mutuya alors toza pour ça abonner na biso kote na biso ba lukape kozwa moi message oyo yo boza nango à propos ya o nzambe azoloba. Merci beaucoup. Moi numéro contact pe et ça la biso bien ceux qui bo communiquer biso numéro la mina contact. Merci. Numéro nanga yezali 243 merci 82 20 39 246 Nabandeli plus 243 82 20 39 246. Merci. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission. Ezalaki Yabino Eki Bumba, accompagné avec Brad Bumba, et Neto présenté qui émission Oyo, Ezalaki co-présentateur Nangai, et Toyambaki. Prophète Jonathan, oyo vraiment binonio surtout botunaki. Voilà, prophète Jonathan yeyo et accompagné avec le révérend Rick Mans oyo ba talisi biso vraiment makambo ebele na kati émission na ebi te bopambwa mingi na émission oyo pe biso pe to pambwa mi parce que to zui révélation pe to zui ba message ki toko na tina ya chaîne na biso pe ba ebayaka na ba chaîne na biso en tout cas que Dieu nous
nous prête cette grâce yakoyé bapé yako identifié bisopé to kozwatan ya kotala to ebi ete mbala leka ki to monda ki ba message pe belé na bande comme susu to yamba ki certainement parce que ba misusu bazo ya pa na biso soi-disant ba côté ba kendaka kuna ba yambaka na ba profane ba yambaka na ba pasteur donc ba constater que biso to sala bobo tant ba beteli biso li solo bongo biso to tosola ka bonzambe tomoi lokwa ba yena solo mais to koye ba kotala bango na sima mikolo en tout cas to koluka to décevoir binote balandi na biso to kosala toujours mosala na ndenge oyo esengeli po ete to lesa bana nzambe maloba ya solo pe maloba ya kitoko pona lobby na bino na biso ezala malamu. Voilà, merci na ba invité na biso, merci na Brad Bumba. Tokutani très prochainement na ba numéro mususu to lobby kaka ndenge to loba ensemble na bino na suka émission na biso. Glory be to God. Gloire à Zonga Panay. Bye. Merci beaucoup.